pinche aspirante del montón, pura mierda. Cae que voy a rezar por ti, muñeca. Eres un pinche aspirante del montón, pura mierda. Cae que voy a rezar por ti, muñeca. Alors, on fait passer? Où est le reste? Je vérifierai ça. Il nous manquait deux bouteilles de cette zone la dernière fois. Salut Kirk, il faut qu'on se parle. Hé, ça fait une paye. Vas-y, crash, de quoi t'as besoin? Pépé m'a demandé de venir te parler. Quoi, il a peur de me rembourser lui-même? Dis-lui que je vais pas le mordre. Pour l'instant. C'est quoi ton problème? Il te doit combien? Désolé, secret professionnel. Alors je vais juste te dire, beaucoup. Un vautour avec des principes? C'est trop beau pour être vrai. Alors joyeux putain de Noël, mon poussin. Fous-lui la paix, d'accord? Il va te payer. Il a juste besoin d'un peu de temps. J'ai la gueule d'un mec qui fait la charité. Quand t'empruntes des édits, tu les rembourses, avec les intérêts. C'est comme ça que ça marche. Tu veux que je lâche la grappe à un crétin de Moudup qui a pas foutu de payer ses dettes? Non, je veux que tu le lâches parce que je te le demande. Tu me connais, je suis un homme d'affaires. Ce que j'ai besoin de savoir, c'est qu'est-ce que j'ai à y gagner? Tu sais, Kirk, c'est pas pour dire, mais des fois, j'ai l'impression que t'oublies que t'es pas d'ici. Tu viens nous rendre visite à Haywood de temps en temps, mais tu vis à Pacifica. C'est pas à côté. Où tu veux en venir? Ce que je veux dire, c'est que tu devrais bien réfléchir avant de t'embrouiller avec les gens du coin. D'accord. Je suis ouvert aux propositions. C'est quoi ça? Jette un œil. La caisse Premios sur cette page. Il y en a que quatre comme ça, Night City. La première appartient au directeur régional de Refin. La deuxième au maire Ryan. La troisième à un loueur. Et la quatrième? Elle sera bientôt à mon client. Enfin, dès que tu l'auras fauché pour moi, je veux dire. Si je fais ça, t'effaceras la dette de Pépé? Mais bien sûr, je tiens toujours par eux, tu me connais. Y a pas plus simple. Tu piques la refil pour moi, et j'efface l'ardoise de Pépé. Je te filerai même un petit bonus parce que je suis un mec sympa. Mon pote Rick bosse dans un parking près de l'Embers, le club où le conducteur de notre refill aime se relaxer. Il y est tous les vendredis soirs à la même heure. Dès que t'arriveras, les caméras de surveillance s'éteindront et la grille s'ouvrira. T'auras plus qu'à monter dans la caisse et à te barrer. C'est tout con. Et ton pote Rick? Il fait confiance comme à un frère. Ton plan m'a l'air vachement foireux. Ah ouais? Et pourquoi? J'ai l'impression que tu cherches un pigeon. Y'a pas de piège, V. On m'a dit que t'étais quelqu'un de sérieux. On pourrait s'entraider pour se faire quelques édits. Et comment je suis censé faire? Je m'allonge sur un skateboard, je glisse sous la bagnole, je branche deux fils et boum, c'est réglé. Kirk, les caisses de ce genre ont des systèmes de sécurité de malade. Ce truc fonctionne comme les clés que les techos de Refield utilisent.
Il ouvre les verrous et il contourne les systèmes d'identification. Un passe-partout pour toutes les refills de la ville. Arrête, Kirk. Même toi, t'y crois pas. Les magiciens Tekkos de Kabuki vendent des trucs encore plus dingues sous le manteau. Fais-moi confiance. Alors ? C'est bon pour toi ? T'as intérêt à tenir parole, Kirk. Du calme, V. Tu vas t'en mettre plein les poches aussi, tu sais. Va à l'Embers, dans le Glen. Rick t'attendra dans le parking. Je suis sûr que vous allez bien vous entendre. Bonne chance, alors. On se tient au jus. Pour le titre. Mon curé, ce type est le meilleur de sa catégorie. J'avoue, et je peux me le il a couché Hernandez, si tu sais. Mais c'est Kano le meilleur. Tu verras. Quoi, le japonais? Exactement. Puis un boxeur? Arrête. Il a le meilleur jeu de genre. Enfoiré de gros lard. On peut pas battre avec ça. Je vois aucun citron ou citron vert. C'est quoi ces conneries? Ils sont là. Faut chercher, hein. Que j'ai dit pour un vétéran. Alors t'es un vétéran aujourd'hui. Bah tu sais, les histoires de guerre ça rapporte. Tiens, c'est cadeau. Je savais que t'avais bon cœur. Dieu te bénisse. Cybernétique vient dévorer ses enfants. Parle aux jeunes de Santo. Dis-leur de se tenir prêt. D'accord, padre. Tiens, tiens, regardez qui voilà. V, ça fait un bail. Je savais pas que t'étais dans le coin. Je suis rentré d'Atlanta il y a quelques semaines. Je vois que t'as eu droit à un accueil maison. C'était comment dans l'Est? Je te raconterai plus tard. J'ai un truc à faire, là. Si tu me racontais maintenant, on va te déposer. Marcus, on y va. Où est-ce qu'on va? Dans le Glen. Dépose-moi à l'Embers. Devant? Prends la bretelle derrière le bar. Je te dirai où t'arrêter. T'as entendu, Marcus. Le retour à Night City s'est bien passé. T'as déjà du boulot. Ça a pas beaucoup changé par ici en 2 ans. Raywood a des racines profondes, toujours arrosées par le même sang. Mais parle-moi plutôt de toi. Des plans par-ci, par-là. Rien de très gros. Mais je m'en sors. C'est gentil de t'inquiéter. Alors, ça a pas marché comme tu voulais à Atlanta, hein? Je suis de retour, comme tu vois. Si ça avait été mieux là-bas, je serais resté. Tu sais, c'est peut-être mieux comme ça. Arrête la voiture. Qu'est-ce qui se passe? Les affaires. T'es armé? Sébastien Ibarra. C'est mon jour de chance, on dirait. Qu'est-ce que tu veux? Qu'on règle cette histoire. Une fois pour toutes. J'ai une offre à te faire, papy. Alors, écoute bien. Tu te tires de Vista, et tu retires tous tes connards de la rue. Je te file le Glen et on n'en parle plus. Tu pourras enfin dormir tranquille, t'as vu? Je suis sympa, non? Alors, papy, t'en dis quoi, hein?
J'ai une contre-offre. Tu retournes poser ton cul dans ta caisse et tu te barres tout de suite. Et ta mère qui vit sur Paralo servira en pleine forme demain matin. Le Seigneur veille au grand cabron. Fais gaffe, Padre. Tu sais jamais qui te pointe un flingue dans le dos. Pareil pour toi, petit merdeux. Vas-y, Marcus. Atlanta t'a cassé. Comment ça? Tu sais ce que je veux dire. T'es qui, lui? Personne d'important. D'ici une semaine, il aura disparu, et quelqu'un d'autre prendra sa place. Il t'a menacé avec son crasheur? Je veux. Et il va le payer, ça, tu peux me croire. Arrête-toi là. C'est bon. Je vais descendre ici. Tiens, avant que tu y ailles. Un numéro? Ça pourrait te servir. On pourrait peut-être rebosser ensemble et rattraper le temps perdu. Ouais, merci, Padre. Je dois y aller. Que Dieu te protège. Non, mais c'est pas vrai!
T'en es où? Je suis sur place. Je vais rejoindre ton gars. Avec ça, bon, tu verras. Tu fais confiance comme un frère. Je sais, tu l'as déjà dit. Quelque chose pour toi? C'est Kirk qui m'envoie. Je sais. Les caméras sont HS. T'as 20 minutes. Au boulot. Kirk, je vois la caisse. À toi de jouer, petit. Bonne chance. C'est le moment de tester ta super tech magique. Ta confiance me bouleverse. Tu vois, on est riche. Maintenant démarre là et appelle-moi quand tu seras sur la route. Je te dirai où aller. Waouh. Eh ben, on dirait que ça va le faire. Descends. Quoi? Descends de cette caisse. Du calme. J'ai rien contre toi, Kampa. Je fais de mon boulot. La refill est à moi. Eh, et le code des voleurs, alors? Premier arrivé, premier servi. J'étais là avant toi. Écoute, il y a deux façons de faire ça. La sympa ou la violente. Mais dans les deux cas, ça se termine pareil. Je repars avec la caisse. Hé, hey, qu'est-ce que tu fous? Catch une glados. Au geste! C'est fini pour vous! Restez où vous êtes! Les mains en l'air! Pas de geste brusque! À plat ventre, enculé! Allez! Jackie Wells, mon vieux pote de Haywood. T'as toujours pas retenu la leçon à ce que je vois. Hey! Officier Stins! Ça fait un bail, hein? C'est Inspecteur Stins. Même merde. En parlant de merde, je reconnais ta gueule. Allez, oh bah crache le morceau, alors. J'attends. Un poulet qui cause. T'étais parti chercher le bonheur à Atlanta. Faut croire que tu l'as pas trouvé. J'ai toujours dit que la vermine de Haywood avait le même cycle de vie. Vous naissez, vous vivez, et vous crevez ici. Faut croire que j'avais raison. T'as perdu ta langue? Bon, et maintenant, il se passe quoi? Maintenant, vous allez au trou. Bande de rats. Allez quoi, Steen, soyez sympa. Si vous nous bouclez, on va se tourner les pouces jusqu'au procès. Et après? Au pire, on prendra quelques mois. Le trou est plein à craquer en ce moment, alors à tous les coups, on sortira en avance. Ce sont eux, les voleurs? Merde, les pas lui. De bas étage? On les a appréhendés, monsieur Fujioka. On les emmène au poste. Pas la peine, c'est inutile. Je n'ai vraiment pas de temps à perdre avec un témoignage ou une enquête. Quoi? Dois-je les relâcher, monsieur? Je suggère de les balancer à la mer. Menottés et les jambes brisées pour être sûr qu'ils restent au fond. Exécution. Et merde. Bande d'enfoirés.
Pour être honnête, pendant une seconde, j'ai cru qu'on allait peut-être pas s'en tirer. Putain, moi aussi. Stins, c'est pas marrant. Mais au moins, il lui reste un peu d'honneur. Tu crois vraiment que c'est son honneur qui nous a sauvés? Ouais. Enfin, c'est le fait qu'il soit de Haywood comme nous. Si je m'étais pas pointé, tu te baladerais dans Night City en refilt, là. Bah, arrête. Ce job était moisi depuis le début. Même la tech au black de Kabuki peut pas déjouer une alarme comme ça. J'aurais dû me douter que les flics me tomberaient dessus. Va savoir. C'est peut-être la volonté divine. Jackie Wells. V. Je te connais, toi. Tu traînes au Coyote, non? Attends, Wells... comme Mama Wells? Je savais bien que ça me disait quelque chose. Ouais, c'est ma mère. Le Coyote, c'est son bar. C'est bizarre qu'on se soit jamais croisés là-bas. Ouais, c'est au Coyote qu'on m'a proposé de voler cette caisse. Kirk. Tu bosses avec ce rat d'égo? Pépé lui doit du fric, mais il est fauché, alors j'ai proposé de l'aider. Il tourne pas rond, Pépé. Pourquoi il laisse un moudup comme Kirk le traiter comme ça? T'es pas au courant? Il a le soutien des cartels. Les cartels? Non. Je connais les types des cartels et je peux t'assurer qu'ils ont jamais entendu parler de Kirk. Mais cabron, je vais lui apprendre qu'on baisse pas les gens de Haywood. Allez, viens. On va grailler un truc. Quoi? Comme ça? J'avais ton crasheur collé sur la tempe il y a pas si longtemps. Si t'aides mes potes, ça veut dire que t'es réglo. Sans rancune? Sans rancune. J'ai un bon pressentiment. Sur quoi? Sur nous. Je sens un genre d'alchimie, pas toi? Allez, viens. Je crève la dalle. Ok, pour la bouffe. Je te suis. Qui vous parle, et c'est une nouvelle journée qui nous attend dans la cité des rêves. J'adore notre bonne vieille ville. Je l'aime comme on peut aimer une mère qui vous a chié 20 ans plus tôt devant un orphelinat et qui vous arrête dans la rue pour vous demander une clope. Chaque jour, une centaine de personnes débarquent ici, mais moins de la moitié de ces pommards survivra une année, et encore si l'année est bonne. Pourquoi ils viennent tous à Night City, alors? Eh ben, pour devenir un samouraï des rues comme Morgan Blackhand ou Wayland Boa Boa. Plus on prend de risques, plus on peut gagner gros, hein, c'est ce qu'on dit, en tout cas. Mais on peut pas rester au top très longtemps, la vie se consume vite quand on la brûle par les deux bouts. Wouh! Ou alors, quand on se prend une balle. La plupart des légendes de cette ville, vous savez où elles sont aujourd'hui? Au cimetière! Peu importe d'où vous venez, peu importe par où vous commencez, ce qui compte, c'est le chemin que vous allez suivre! À Night City! La cité des rêves! La fille qu'on cherche est quelque part dans ce bâtiment. Ça doit être le repère des Penderos qui l'ont kidnappée. Ouvre grand les yeux et les oreilles, ok? Ça me fait penser... J'ai un petit cadeau pour toi. Un éclat d'entraînement de Militech. Si jamais tu veux te... remettre à niveau. Ça te dit un petit exercice de tir en VR? Ok, pourquoi pas. Nous allons commencer par un entraînement aux bases du combat.
La séance sera enregistrée à des fins d'évaluation.